Hey, salut les loulous, ici Gaminou pour le 5ème et probablement dernier épisode du Roi Lion sur Mega Drive pour Eva Sound Studio. Putain, ce timing. Et aujourd'hui, point de cheat mode. On est aujourd'hui le 6 novembre 2016. Et ben moi aussi, je joue au foot. La précision est importante parce que c'est vrai que j'ai eu des retours en fait sur l'épisode 4 où j'étais en full cheat mode et c'est vrai que on m'a fait la remarque qu'on perdait quelque chose. Mais ce quelque chose, moi, dans ma justification que j'avais donnée, je le voyais pas. Donc casse dédié à Pépé, à Netkin qui me l'ont dit et tout et tout. Je retourne. Cet épisode 5, donc ça va être les deux derniers levels du jeu, hein. Et donc, je n'ai pas mis le cheat mode, hein. Bon là on n'a pas d'ennemis donc je peux pas vous le montrer. Je l'ai enlevé, et je le mettrai seulement si je galère de ouf, voilà. Parce que c'est vrai que, ouais, enfin bon voilà quoi, vous m'avez compris. J'ai la flemme de me justifier. Alors j'ai appris le... Alors attendez, faut que je me souvienne du move pour pouvoir choper les yens en fait. Alors attendez, c'est vrai, c'est le labyrinthe. A few moments later. Ah voilà, on a rien vu. Bonjour. What? Alors attendez. J'essaie de retrouver la technique pour en gros balancer les yens et enfin en gros c'est faire une sorte de roulade pour buter les yens quoi. Tout basiquement j'ai envie de dire. Comment on fait? C'est pas comme ça. Alors c'est B plus C je crois, ou alors c'est A plus C peut-être. Ah, ce serait pas con que ce soit A plus C, je me souviens plus. 2 hours later. Ah, c'est chaud. I am shocked. 1 eternity later. Ah, ou alors il y a peut-être des caves plus haut que j'ai pas vu. Attendez, 1, 2. Je peux pas sauter là. Non. Donc 1, 2, 3. On n'a pas d'autres. Bon, je vais essayer les autres quand même parce que là. Donc là, je dois revenir. Je peux pas faire. C'est là on dirait que je peux pas y aller par contre ces armes. La troisième, celle-là. Du coup. Ok, toi t'es mort. Ok, de là j'ai qu'un choix. Non, meurs s'il te plaît, merci. Ok. Jusque là ça va, j'arrive à suivre. Bon, on a le bon chemin. Toujours ça de prix, d'accord. Donc moi j'en voyais, je voyais 5 grottes, en fait il y en a que 3. Ah, c'est comme ça. D'accord, donc faut qu'elle soit fatiguée. En mode 2. Donc là, on t'attaque. Non. Ça fait quasi 2 fois de suite que j'y arrive. Oh. Ah putain, j'ai le truc, c'est bon. Allez, 4ème salle. Ça pique. Meurs s'il te plaît, merci. Aïe, non, j'ai pas envie de mourir. Non. Bon. On va commencer. On va commencer à utiliser les quick save et les quick load. Ok, apparemment il y a peut-être une Xbox un peu. Une hitbox. Pas une Xbox, non. Eva Sound Studio, sponsorisé par Xbox. Enfin Microsoft. Bon bref. Ah, 4ème.
Je sais pas comment j'ai fait. Hop, on l'a. La cinquième. Est-ce que s'il vous plaît, il y aurait de la vie quelque part, par contre? Oh, il y en avait. Oh mon dieu! Oh la vache! Ok. Toi tu mourras pas. Ok, alors là je pense que. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ça, il va bientôt plus de vie là, attention. Hop, là on escalade. Il aurait pas un petit peu de vie. On va save. Et là par contre ça va être la panique. Maintenant save. Et là. Là c'est le dernier. Là il y aura 4 yens. Et on a droit à 2 coups. On a droit de se prendre 2 coups. Et on arrive au dernier niveau. Ah mais non, mais non, mais non, je suis pas un méchant, je déconne, j'ai pas cette voix en fait. Meurs, 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 meurs. Je te préviens, tu vas crever. Masturbation manette, oh là 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 là. Ok. C'est pris des coups, mais c'est bon. On s'en souvient, hein. Late box. Aïe. Comme ça je savais pas, fallait mieux. Voilà. Putain, j'y arrive. Oula. Oh, j'y arrive trop maintenant. Eh, je suis trop un big boss quoi. Oula. C'est une plateforme ça, attendez. Ouais, quand même. Depuis le début, ces trucs-là, c'est des plateformes. Bon, impossible à voir, mais c'est pas grave. Ah, là, je suis mort. Je pense que je suis dead, là. Eh merde. Pardon. Compliqué. Oh merde. Mais tonton, qu'est-ce que tu fais pourtant, hein? Va mourir, oui. Wouh. Non, non, non. Il me reste un pixel de vie là. On est d'accord. Là, c'est le pixel de vie pour le dernier niveau. Pourquoi je me fais...
Je suis déçu. Évidemment, bah oui. On save. Ah, mais c'est une purge, hein, ce jeu. Oh là là. Alors là, si je le gagne, je vous jure, je veux du champagne. Là, meurs. Ça va, je sais ce qu'il faut faire là, bordel. Enfin, bordel, je voulais dire fichtre. Excusez-moi, pardonnez mon langage châtié, mais quand je me retrouve face à un félon, tu peux tirer la langue, s'il te plaît. Aïe. Tu m'as eu, petit coquinou. Ce n'est pas bien. Non, j'ai l'impression de lui faire mais genre zéro dégâts, quoi. Ah! Et pour Scar, on va passer en cheat mode. Is our kingdom. Et merci à vous d'avoir regardé ce let's play sur le Roi Lion Mega Drive sur Iva Sound Studio. Ce jeu, mon verdict, ce jeu est bon. Ce jeu est bon, je trouve qu'il est bon. Honnêtement, j'ai beaucoup ragé, mais je trouve qu'il est bon. Les graphismes sont vraiment magnifiques. Je sais pas ce que valait précisément la Mega Drive à l'époque. Les graphismes sont vraiment superbes, moi j'ai adoré ça. Niveau gameplay, on s'en sort, peut-être que les animations sont un peu trop longues, par exemple quand on se tourne, surtout, c'est pas pratique. Enfin, quand on change de sens, quoi, il y a une animation de Simba qui... Bon bref, voilà. Et donc, oui, voilà. Le combat contre Scar, je l'ai passé en cheat mode, parce que vous le voyez pas du tout. Mais genre pas du tout, mais en fait... Ce record là faisait à peu près 1h40, dont un bon 45-50 minutes à essayer de vaincre Scar sans le cheat mode. Donc au bout d'un moment j'ai fait bon, je veux bien mettre toute la volonté du monde, mais quand même. Donc bon bref, voilà. Donc oui, ce jeu je l'ai quand même bien apprécié malgré la difficulté qui pour moi est délirante.
Bon, je suis pas doué en jeu de plateforme, donc je peux concevoir que ce soit relativement voilà. Mais quand même, c'est peut-être un peu trop dur. Alors si en plus j'y avais joué quand j'avais 10-12 ans, bon, j'aurais pas donné cher de ma peau. Bref, en tout cas, encore une fois, merci à vous d'avoir suivi ce let's play. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine sur Evasion Studio pour de nouvelles vidéos. C'était Gaminou pour vous servir. Let's